Deuxième vidéo aujourd'hui les amis, j'étais obligé de le faire. Le bateau vient d'arriver, regardez, le bateau pirate, et malheureusement, j'ai bien dit malheureusement, j'avais raison, c'est bien des remises. Regardez, ici quand on clique dessus, on a des remises. Par rapport, vous avez vu, hein, la 2.6 c'est vraiment axé, hein, costume. Hein. Là c'est des remises par rapport au costume et par rapport au skin, par rapport au perso, surtout Ryan. On parlera aussi de Ryan juste après, donc on va parler de tout ça, juste après l'intro. N'oublie pas les pouces bleus et labo, on s'abonne, on est quasiment aux 10 000, hein, il reste très peu maintenant. Donc gros tout 10 000, on y va, c'est parti, avant demain les amis. Donc ce bateau pirate les amis, déjà on commence par un truc que je kiffe, je vous l'ai déjà dit, hein, le design de ce jeu je kiffe. Regardez, on l'a, quoi, c'est une poulpe, une pieuvre, je sais pas, vous allez me dire, mais là, c'est un panda ou c'est pas, je vous connais. Du coup, j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup, le design j'adore. Maintenant ce que j'aime moins c'est que bah, malheureusement il n'y a vraiment pas de cadeau, hein. Tout est payant là-dedans, tout est payant et c'est assez, voilà, il y a quoi, 55, 20, 8... Ça fait quoi, 85 euros à peu près, plus ou moins, 90, ouais, un peu moins de 90 euros. Bah, voilà, si on prend tout ça, hein, c'est Noël, les amis. Hein. Je vais demander pour Papa Noël, bah je veux ça, moi. Et même, ce qui est gratuit n'est pas gratuit techniquement, puisque vous savez qu'on consommait une pub, donc du coup, eux, ils sont rémunérés par rapport à la pub. Donc du coup, tu es un consommateur de pub, donc c'est pas gratuit, au final. Tu consommes la pub. Donc, on va quand même faire ça, bien entendu, Après ça, je ne sais pas du tout. On verra bien par rapport à la YouTube Money, si la vidéo marche ou pas. Donc... Je vous disais que malheureusement, voilà, ici, vous avez vu, on a des coupons premium, on a des coupons exquis. Alors, on ne savait pas trop comment avoir tous ces coupons. Et bien, pour l'instant, ils ne sont que payants, puisque ces coupons premium, vous savez, ils nous servent à quoi? Mais ils nous servent pour les tenues premium, hein. Ici, vous avez vu, par exemple, celle-ci, qui est très stylée, je kiffe de ouf, hein, 95 coupons. 95 coupons, les amis. Je mets 0, vous avez vu, il n'y a pas de coupon en haut. Et bien, du coup, ça se trouve, il y en aura après. Hein. Ça se trouve, il y en aura 200 après, hein, je sais pas. Donc, du coup, pour les coupons violets, c'est, bah, du coup, écoutez, ça dépend des persos, entre 20, 30, 50, etc. Et des plus gros persos, il faut environ 100, vous avez vu, pour Shade, 100 coupons premium. Après, on a les coupons exquis. Moi, je dis coupons violets. Du coup, dans la plus chère des offres, 55 euros, c'est ultra cher. Clairement, ça coûte un bras, c'est abusé. Seulement 25 coupons pour 55 euros, t'as même pas le truc de Shade. Hein. Tu l'as pas. T'as 100 shards, 500 cookies, bon ça on s'en fout un peu, donne-moi des coupons plutôt du coup. Et du coup, t'as 50 coupons ici. Bon, voilà. Voilà un peu l'offre. Et pour te mettre la pression, eh ben écoutez. Je suis là 2 heures, après 2 heures je disparais. Est-ce qu'il revient après? Peut-être qu'il y en aura une fois par jour, peut-être, je ne sais pas. Est-ce que si tu consommes ça, quand tu reviens le lendemain, si on est le lendemain, est-ce que tu peux racheter? Ding 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 ding. Je te jure, c'est un truc de ouf. Bref, ceci bien entendu n'est pas obligé, on peut jouer sans. En espérant avoir des events où on peut les choper un peu plus. Voilà, parce que là, même dans celui-ci, quand on va dessus, on n'en a pas. Je sais pas où en choper. Ici, peut-être. Si, non. Ouais, si, regardez ici, bah voilà, on peut en choper ici. Mais bah voilà, c'est pas ouf, hein. C'est. Voilà. Hein? Ouais. Il m'en faut 95 pour Shade. Donc voilà un petit peu le délire du truc. Je voulais vous en parler parce que. On pousse à la conso de plus en plus, malheureusement. Dans ce jeu, c'est dommage, parce que moi j'aime beaucoup ce jeu, vous le savez, hein. Mais en ce moment, je fais que des vidéos où je suis pas très content, mais c'est comme ça, c'est la vie, et il y a des choses qui me plaisent, d'autres moins dans ce jeu, ça me plaît pas trop, parce que voilà, le problème c'est que ils le font, parce que ça marche en fait, tout simplement. Beaucoup de gens dépensent des milliers d'euros dedans, la vérité, c'est véridique, hein. Moi je suis pas free to play du tout, grâce à la YouTube Money, donc grâce à vous, mais pas à ce point-là, c'est beaucoup trop, les amis. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Il va disparaître après, on verra bien s'il revient ou pas. En tout cas, salut, au revoir. Allez, on va parler du coup, dans la deuxième partie de la vidéo, du nouveau perso, hein, Ryan. On va l'essayer, les amis. Donc pour le débloquer, regardez, hein, il n'y a qu'une seule façon de le faire, c'est très fort. Il n'y a qu'une seule façon de le faire, que tu sois free to play, pay to fast, pay to win, pay to play, appelle-le comme tu veux, que tu mettes l'argent dans le jeu. Pour le débloquer, tu n'as qu'une seule façon, c'est... par le shard, et il n'en faut pas 30.
Il ne faut pas 40, ni 45. Il en faut 50. 50 shards. Récupérez 50 fragments de Ryan. Dryan, j'ai pas fait gaffe d'apostrophe. Récupérer 50 fragments Dryan pour débloquer le héros. Mais écoutez, bah d'accord, j'ai pas trop le choix, de toute façon, clic là. Donc voilà, si je le veux, il faut malheureusement ça. Ryan a une compétence très cheatée, mais est-ce qu'il sera utile? Moi, je pense qu'il sera utile peut-être en Endless Mode. Voilà, on verra bien, je le testerai de toute façon dès que je l'ai. Et du coup, sa compétence, c'est écrit ici, regardez. Ressusciter en mourant avec une seconde d'invincibilité. D'accord, donc tu reviens, tu meurs, extra life. Est-ce que tu reviens avec toute ta vie? Ce n'est pas précisé, malheureusement. Et du coup, par contre, tu reviens avec une seconde, t'es invincible. Mais celle-ci, l'invincibilité, hein, celle-ci augmente avec le nombre de monstres tués. Tu tues des monstres, tu peux augmenter ton temps d'invincibilité. Donc en fait, en gros, bam, tu meurs, oh, je suis mort, je reviens à la vie, vite! Je te démontre, vite, je te démontre, du coup, pour augmenter mon temps d'invincibilité, d'accord? Et c'est capé, tout ça, c'est capé à 6 secondes, regardez, quand on clique dessus, sur la compétence, il est écrit. Un truc en français qui est pas très compréhensible, regardez. Tuer l'ennemi peut prolonger la durée d'invincibilité, donc là, ok, je tue l'ennemi, je prolonge, mais une seconde, d'accord? La limite de temps est de 6 secondes. Est-ce que si je tue l'ennemi, je vais gagner une seconde par ennemi? Par exemple, invincible pendant une seconde, hop, un ennemi, encore invincible pendant une seconde, un ennemi 6 secondes, un ennemi 1 seconde, juste à 6 secondes, peut-être, voilà. Est-ce qu'un ennemi me donne une demi-seconde? Je ne sais pas du tout, c'est pas précisé, voilà. Et du coup, le temps, par contre, le temps pour tuer le boss est 10 fois celui des autres monstres. Hashtag, je n'ai pas compris, aide-moi dans les commentaires, voilà. J'ai compris que quand je revenais à la vie, je mourais, je revenais à la vie, et ben du coup, j'étais invincible pendant une seconde, que si je tuais des mobs, ça montait mon invincibilité à maximum 6 secondes, donc c'est capable à 6 secondes. Combien de temps, je ne sais pas, combien de temps le mob me donne, de secondes, de demi-secondes, je ne sais rien, de temps, voilà. Par contre, le temps pour tuer le boss est 10 fois supérieur, 10 fois celui des autres, le temps pour tuer le boss est 10 fois supérieur. Ah, j'ai compris, je crois, dites-moi dans les commentaires, peut-être que, imaginons, une bêtise, d'accord, qu'un mob, c'est une seconde, et ben un boss me donnera 10 fois plus de temps gagné. Je crois que c'est ça. J'ai compris. Dans les commentaires, tu me dis si c'est ça, d'accord. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'essayer. Donc, actuellement, j'ai 5 fragments, vous avez vu, sur 50, d'accord. Je crois que j'ai chopé ces fragments où, je sais plus. Je crois dans le Battle Pass, où je sais plus ce que je l'ai eu. Je l'ai eu, mais j'en ai eu 5, d'accord. Voilà, j'en ai eu 5 sur 50, donc je suis loin de le débloquer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même faire un essai gratuit. C'est la première fois que je fais un essai gratuit, je ne sais pas comment ça marche. Je vais cliquer dessus, je verrai bien du coup, parce que du coup j'ai toujours eu les persos dès le départ. Hein. Hashtag Vachalet, tu connais, voilà. Hashtag en même temps iOS, j'ai envie de te dire. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tester perso. Attaque de base 150, PV 700. C'est pas dégueu. Je m'appelle plus par contre par rapport aux autres persos de base au niveau 1, combien ils étaient. Mais ça me semble pas dégueu. Hein. Je crois qu'il est un peu plus haut qu'Atreus. Ou peut-être l'attaque un peu moins d'Atreus. Si mes souvenirs sont bons, mais en même temps mes souvenirs sont pas très bons du tout. Ça me semble pas très bon du tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dedans. La tenue. Ah oui, le bonus, par contre, bien entendu, le bonus par rapport à Ryan. Tenue, pas d'effet classique, voilà. Et ici, l'elfe de Noël. Taux de drop d'armes, plus 8%. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut choper des armes en plus. Pour tous les héros, une fois que tu as la tenue. Mais bon, avant, il faut que tu dépenses. Voilà. Il faut que tu gagnes. Je sais pas. Il faut les avoir comment, à part dépenser de l'argent. Après avoir tué un ennemi, il y a une chance, effectivement, d'invoquer un coffre qui peut geler les ennemis. Ça peut être stylé, ça. Ça peut être stylé, du coup, un petit contrôle en plus. Donc pourquoi pas. À tester, du coup, à tester. Parce que sa compétence en soi, c'est très fort. Mais t'as pas de dégâts en plus. Un peu comme Sylvain ou Shade ou je ne sais qui, tu vois. Même Shari. Des dégâts en plus par rapport à ses vignes, voilà, par exemple. Allez, on rentre directement dans l'essai gratuit. Ok, donc c'est un monde prédéfini pour ça. Par contre, 4000 de vie, il y a beaucoup de barres, vous avez vu? Je sais pas si vous voyez les barres dans la vidéo. Il y a plein de barres de vie à côté, donc on va voir. Allez, c'est parti. Alors, visuellement, bah ça change, hein. Je suis pas fan de vue de haut du perso. Ah, on verra bien comment c'est après. Hein. Ah bah, j'ai le staff, bien sûr. Hein. Quitter et rafraîchissement. Ah, en fait, c'est un mode training. Personne d'attaque, en fait. Oh, qui joue à Brawl Stars? Qui joue à Brawl Stars? Est-ce que c'est pas le training de Brawl Stars, ici? On dirait trop le training de Brawl Stars. Ah, c'est fou. C'est du copier-coller, par contre. C'est exactement les mêmes positions, disposition des mobs dans Brawl Stars. Bon, bref. C'est une aparté. Allez, je vais tuer celui qui est là.
Il apparaît ou pas après? Il va réapparaître à gauche là? Ou pas du tout? Est-ce que je peux aller au corps à corps? Ok, je peux aller au corps à corps. Je vais mourir, je vais mourir. Il n'y a pas de bonus de dégâts sur lui, c'est ça qui est dommage malheureusement. Allez, il est mort. Ah, regardez, full life. Je suis full life. Et par contre, mon invincibilité, elle a duré une microseconde. Ok, elle a duré une microseconde. Est-ce que je peux? Parce que du coup, comment marche du coup les 6 secondes s'il faut que je tue un instant T? Parce que c'est... Attendez, rafraîchissement. Ils sont tous revenus. Ok. Si je remeurs, je meurs direct, c'est ça, hein, j'ai plus de vie. Ça va pas rafraîchir ma vie. Ouais, bon, écoutez, est-ce que ça... Ouais, je suis mort direct. Est-ce que ça vaut le coup? Quitter. 50... Ah, je peux tester 50 fois. Mais si je quitte, après, je pourrais essayer ou pas? Après, j'ai vu ce que je voulais, hein. Je fais quitter. Pourquoi marquer « Essai gratuit » sur elle? Non, non, sur lui. D'accord, ok. Donc, je vais essayer un truc. Je vais en tuer 2-3. Histoire de voir un petit peu si... Par contre, je vais pas le tuer, j'ai pas de dégâts. Oh, c'est mal fait, l'essai gratuit. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Bon, la durée d'une seconde, là. On en parle ou pas? Ça dure que dalle. Je me relève debout, je suis déjà... Attendez, je vais pas le tuer, lui. Pourquoi il prend des dégâts? Ah, attendez, il pose un poison dessus. Regardez, il pose un poison dessus. Il pose un poison dessus, c'est pas écrit, ça. Rien ne pose un poison dessus. Regardez, attendez, je vais faire ça ici, là, sur lui. Vous avez un poison sur lui? C'est pas dit, ça, ils l'ont pas dit. Ah, donc là, voilà. Donc déjà, on a un bonus de dégâts, si c'est bien ce que je pense. Parce que c'est pas mon staff qui fait ça. Il y a bien un bonus de poison. Attendez, je vais mourir. Comment je vais faire, du coup? Est-ce que je peux... Parce que mourir et tuer un mec direct, c'est chaud, quoi. 500, allez. Je vais le tuer, lui. Hop, 41 PV. Allez, je suis mort. Bah, écoutez, pour tuer un mob... Ouais. Est-ce que les mobs qui comptent juste avant que je meure rentrent pour l'invincibilité, ou c'est dès que je suis invincible, il faut que je le tue directement? Parce que si c'est le cas, c'est pas top du tout. Hein. Par contre, du coup, vous avez vu qu'il met un poison dessus. Hein. Il met un poison sur l'ennemi. Hein. Vous avez vu, on est bien d'accord. Hein. Regardez, lui, là, le scarecrow, hop, je mets un poison. Il prend des dégâts, vous avez vu en dessous de lui? Tête de mort. Ouais, ok, d'accord, très bien. Bon, on a compris un peu le perso. Qui c'est? D'accord. J'aime bien, mais il faut voir en fait, il faut que je l'augmente. Il faut augmenter le perso. Donc, déjà, il faut le débloquer, bien entendu. Il faut augmenter le perso, voir un peu ce qu'il en est par rapport à ses dégâts. Parce que du coup, le dot de poison qu'on met, il dure quelques secondes. Son invincibilité est pas claire, du coup. Est-ce que c'est marqué? En mourant avec une seconde d'invincibilité, celle-ci augmente avec le nombre de monstres tués. Mais tués après que j'ai ressuscité ou avant que je meure? Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Donc voilà, je voulais vous parler de tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est intéressant de voir vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez du coup de ça, surtout. Hein. Il me reste 1h06, vite, vous tâchez tout là. Du coup, qu'est-ce que vous pensez du bateau et qu'est-ce que vous pensez du nouveau perso réel, les amis? Sur ce, je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous, c'est pas déjà fait. On est quasiment aux 10 000, ça fait kiffer, vous faites kiffer. Merci à tous, des bisous.